Toutes les conversations Messenger de votre page Facebook sont enregistrées et placées dans le dossier Done ou Terminé en français. Les conversations Open répertorient toutes les conversations avec l'étiquette ou le tag Open. Vous pouvez faire passer les conversations d'un dossier à l'autre quand vous avez terminé une conversation. Dans Settings, vous pouvez aller paramétrer votre chat direct. Vous pouvez faire aussi un clic droit et traduire en français pour savoir exactement de quoi il s'agit si vous ne parlez que le français. Dans le comportement du chat en direct, vous pouvez soit mettre tous les messages dans une conversation ou alors uniquement les messages qui sont ouverts explicitement. Dans la version pro de ManyChat, vous pouvez paramétrer une équipe et pouvoir dialoguer directement avec les personnes qui sont concernées. Vous pouvez mettre une notification sonore lorsqu'une conversation est déclenchée. Ensuite, dans Fragments, vous pouvez ajouter des réponses automatiques en un seul clic, par exemple pour dire que vous êtes absent ou que vous allez répondre rapidement. Lorsqu'on revient sur le chat en direct et que l'on va dans la conversation, on voit sur la droite le profil de la personne avec tous les détails de la conversation et les tags qu'il a utilisés. On peut rajouter des tags éventuellement et ensuite on peut gérer des données supplémentaires en ajoutant des champs personnalisés. Pendant la conversation, on peut suspendre aussi l'automatisation du chatbot de façon à ne pas perturber la conversation en direct. Donc on peut utiliser 30 minutes par exemple pour suspendre le chatbot. Ensuite, on peut abonner ou désabonner le personnage, éventuellement télécharger toutes les données utilisateurs et supprimer toutes les données utilisateurs. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien d'affiliation dans la description de la vidéo YouTube et à vous abonner à la chaîne.